Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo, c'est pas celle que j'avais en tête. En fait, je voulais vous faire une vidéo où je vous montrais mes dessins avant YouTube, donc collège, lycée et début de mes études supérieures. Mais je n'en ai trouvé aucun. Moi, je suis la pro pour dessiner et arracher les feuilles. Et comme vous voyez, je suis très fière de mon travail puisque j'arrache tout. Donc en fait, je fais cette vidéo pour vous dire, gardez vos dessins, c'est hyper important. Déjà, ça vous garde des souvenirs et aussi datez vos dessins. Pareil, si vous avez un dessin mais vous savez pas si vous l'avez fait à 8 ans ou à 16, ça n'a pas grand intérêt. Donc datez vos dessins, gardez-les, classez-les, mettez-les dans une pochette, dans une boîte. Faites-en ce que vous voulez, mais par pitié, gardez-les. Moi, je suis un peu dégoûtée de ne pas en avoir trouvé. J'avais des dessins en tête que je pensais avoir, mais que je n'ai pas trouvé. Et puis, qui sait, peut-être qu'un jour, vous serez youtubeur et que vous aurez besoin de faire une vidéo où vous montrez vos anciens dessins. Par contre, donc j'ai pas trouvé de dessins de mon collège lycée, mais ce que j'ai, c'est des dessins de maternelle. Donc ça, je vous en ferai une vidéo, bien entendu. Ça va être très drôle parce que j'avais un sens artistique plutôt original. Donc ça, bien sûr, je vous le ferai. Donc je vous fais de gros bisous. Bien entendu, il n'y a pas de tuto aujourd'hui, mais si vous voulez dessiner, j'ai plein d'autres tutos sur ma chaîne. C'était la dernière vidéo astuce de la semaine. Demain, vous aurez un tuto. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain.